Ils sont nos renforts. Les Allemands sont en train de nous ratatiner. On est sauvés. L'escadron Red Tails arrive à la rescousse. Vous avez demandé des renforts, les fillettes? Non, mais attends, ce ne sont pas les Red Tails, ce sont les Short Tails. Sortons-les de là, les copains. Doudou, j'espère vraiment qu'on va gagner. Vigueur, ils sont dans notre camp. Quoi? Oh non! Youhou, j'ai fait un strike! On s'est fait avoir, les gars! Les Short Tails sont de mèche avec les Boches! Eh, mais non, recroix! On est venu là pour vous aider, les fillettes! Ce Boche essaie de nous duper sous ses airs d'Humphrey Bogart, les gars! Pas de pitié! On est américains! On est des putains d'américains! Mort au combat! Ils étaient de simples animaux de zoo. Comment ont-ils intégré l'école militaire? Je suis enterré vivant. Précédemment dans les gros tas qui veulent maigrir, des candidats en chair et en os. Pour ma part, je me suis toujours trouvée joliment potelée, ouais. Mais j'ai cassé le bassin de Kermit. Dégage de là, espèce de truie. Mon frère Luigi et moi, à l'époque, on était exactement pareils. Mais après quelques années, et si je ne change pas mes habitudes, le médecin dit que je vais ressembler à ça. J'ai pris tellement de poids que je ne peux même plus me faufiler dans un terrier de lapin. Pourquoi? Tout ce que je veux, c'est pouvoir me lécher les couilles ou au moins avoir la possibilité de les revoir. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que je m'ennuie ferme. Écoute ton cœur, t'es une vraie star, mais une star dégoûtante. Les gros tas qui veulent maigrir. Dégoûtant. Depuis des décennies, les filles prennent conscience de leur corps grâce à moi. Je pense être le coach idéal pour cette émission. Évidemment, j'ai faim du matin au soir. Du coup, je peux devenir facilement irritable. Allez, on lâche rien. Super lardon. Je pourrais faire ça toute la journée. Tu ressembles à un gros porc. Désolée. Poursuis tes rêves, espèce de gros tonne. Pardon. Suis la flamme qui scintille en toi. Vous voulez faire un combat contre moi? Je suis ceinture noire 4e Dan, poupée. Il faut qu'ils arrêtent de rêver pour que le travail soit efficace. Moi, à 12 ans, j'ai dû arrêter de rêver que j'allais remanger un tiramisu un jour. Si tu pensais que Barbie Fitness était une dure à cuire, c'est parce que tu n'avais pas encore vu Barbie Kung Fu. Ah oui. Je me fous de la manière dont tu vas maigrir. Nous avons fait de vrais progrès aujourd'hui, Miss Piggy. Chacun doit monter la brouette remplie de son plat préféré en haut de cette colline. Une fois arrivé, vous viderez tout ça dans ce feu qui symbolisera la fin de votre ancienne vie de gros tas et vous donnera la force de vous affirmer en tant que personne indépendante. Tu entends, Ken? C'est fini, je n'ai plus besoin de toi. Appelle-moi, s'il te plaît. L'automne dernier, Bourriquet a perdu sa longue bataille contre la dépression. À ta mémoire, mon Bourriquet. Il s'est pendu avec sa propre queue. Hé, hey. Waouh, je suis en tête. J'ai déjà perdu du poids. Oh, ça change les lundis pourris que je passe dans le bouquin. Oh, mes couilles. Hey, j'ai plus rien ici. John, qu'est-ce que t'as fait de mes couilles? Oh non. C'est moi ou ça sent les jambons rôtis de la maman? Laissez-moi croquer juste pour goûter. Allez, laissez-moi faire. Oh, laissez-moi goûter les jambons de maman. Ça a l'air garni et moelleux. Attendez. Laissons-la bien rôtir. C'est vrai qu'elle sent très bon. Miss Piggy, ta perte de poids finale est de 79 kilos. Concernant les autres, vous vous partagez les 79 kilos que Miss Piggy a perdus. Miss Piggy, tu as gagné le concours des plus gros tas qui veulent maigrir! Dégoûtant!